salute, eh? Grazie amici. La salute. E tanti auguri maestri per il prossimo lavoro. Gli istruire è bello e buono e biscallare per Sant'Antonio. Ma io mi domando. Gli istruire è bello e liscio e piano a chi ho pisci. Ma perché realizzare un'opera quando è così bella, signora Sant'Antonio? Au départ, j'étais plus dans l'univers de la BD, de l'illustration, des choses comme ça. Et l'idée de raconter une histoire en plusieurs images me posait un peu problème. C'est à travers toute cette production, surtout à partir du 13e, 14e siècle, jusqu'à nos jours, qui ont formé un peu ce matériau que j'utilise, en tout cas qui me sert de référence. Le terreau de base a été la Renaissance, c'est par là que je suis entré dans cette histoire-là. C'est vrai que j'étais plus attiré par le dessin, et notamment le dessin du corps. Et le fait de rencontrer tous ces artistes, notamment Michel-Ange et Léonard au début, c'était vraiment cette idée d'avoir le droit de dessiner un corps pour un corps, quoi. Et que ça pouvait suffire. Un corps ou un morceau de corps, quoi. Pas faire de la vie avec une motte de terre et cette couleur sur une toile, quoi. On est obligé de trouver des moyens propres à la technique qu'on utilise. C'est comme au cinéma, c'est de la tricherie, mais ça fait plus vrai que nature, quoi. Quand tu regardes un paysage, tu peux regarder un arbre, un soleil, le soleil, un lac, la terre, mais quelque part tout est fait de la même matière, presque, je vais pas dire à un niveau atomique, mais tu vois, t'es une sorte de jaillissement général qui fait que les éléments séparés n'ont presque plus de sens, quoi. Moi, j'ai du mal avec les groupes, les rassemblements, les assemblées. Là encore, c'est quelque chose qui me donne l'impression de disparaître, tu vois. Et peut-être que mon seul moyen de survivre et d'exister, c'est d'être... c'est de me mettre à l'écart, quoi. Il y a cette idée de protection, quoi. Il y a cette idée de se cacher, se protéger. Le travail est autant... Enfin, le résultat est autant un but qu'une excuse pour se mettre dans un atelier toute la journée, ouais. C'est vrai que c'est important pour moi, quoi. J'ai besoin de ces retraites très régulières, quoi. Les ateliers de sculpture, c'est vrai que j'ai tendance à les transformer en...
en grotte de débris, de plâtre, de bazar, de bordel, quoi. Du moment où tu fais une sculpture d'un chef de guerre ou d'un chef quelconque, ça devient politique. C'est sûrement pour ça aussi que j'apprécie les échelles plus petites que nature ou légèrement plus petites, parce que je trouve que ça rapproche plus l'objet d'un objet cultuel, enfin la sculpture, pardon. Qui a cette aura, qui a ce côté un peu caché, quoi. Petit objet que tu transportes, objet que tu vois pas. La plupart des œuvres d'art du passé étaient peu visibles. Pour moi, cette taille assez réduite, elle va avec une sorte d'intimité aussi. Tu vois, le fait d'une petite sculpture, pour moi, ça revient à des choses. Proche de sculptures, de rituels religieux, peut-être avant la chrétienté, plus c'est quelque chose qui pour moi s'adresse à une personne à la fois. Si tu fais la sculpture, elle a toujours été liée au funéraire, au religieux, au politique. J'ai pas du tout vécu ni grandi dans une atmosphère et une culture catholique ou religieuse même. Après, maintenant, je fais pas mal de parallèles entre la culture révolutionnaire, politique, de gauche ou d'extrême gauche même qui peut y avoir chez moi. Et disons que les révolutionnaires d'extrême gauche, ils ont quand même un côté martyr, quoi. Ils ont quand même un côté sacrifice. Ils ont quand même ce côté on se fait chier maintenant pour un idéal, quoi. Qui peut être approché d'une pénitence religieuse catholique, hein. En tout cas, je pense que dans mon esprit, j'ai fait cet amalgame là. J'ai fait cet amalgame et je sais maintenant que j'ai fait qu'il y avait ce côté si tu te fais chier, si tu souffres, tu peux obtenir quelque chose de très grand. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi, et c'est devenu rotor dans le sens où quand je faisais quelque chose de façon facile ou limpide, j'en avais une grande méfiance, et pour moi c'était un signe que c'était de la merde, quoi. J'ai mis longtemps à admettre finalement que j'avais pu avoir des choses très douloureuses. Donc il y a cette volonté aussi, cette colère par rapport cette colère un peu révolutionnaire par rapport au monde, quoi. Peut-être que c'est désuet de dire ça aujourd'hui parce que ça se fait plus du tout, et c'est peut-être un truc des années 80, des années 90, des années 70, des artistes qui avaient eu 20 ans dans les années 60, quoi.
Ouais, tu vois, je peux pas couler les bétons ici, moi. Je sais qu'il y a des produits pour pas que ça gèle le béton. Et donc tu ouais, quand tu fais des moules, tu fais ce qu'on appelle des abattis, c'est-à-dire que tu coupes le truc en plusieurs parties pour faire que des moules simples. Alors quand tu fais ça, faire gaffe à pas trop entailler le modèle. Bah, tu fais en plusieurs fois en fait, tu fais une couche d'empreinte. Et puis après tu fais une couche de renfort, comme ça déjà quand tu le casses, quand tu fais deux plâtres, ça se recolle jamais parfaitement dessus, donc ça se sépare plus facilement. Tu calcules des quantités, combien de temps faut pour pas gâcher. Donc là je peins pas en fait, hein. Je poche, tu vois, je pose. Parce que, un, pour pas déformer la terre, enfin la lisser trop, et puis deux, des fois ça fait des marques dans les poils du pinceau où s'imprime. Le plâtre a une connotation finalement de matériau intermédiaire, soit de matériau de construction, donc pas très noble, soit de matériau intermédiaire, dans le sens où au 19e, le plâtre était juste une étape entre le mode de la jantère et la réalisation en bronze. Le plâtre ou la cire ou même le béton, c'est des matériaux qui passent par un mélange avec de l'eau. En séchant, ils ont plein de petites bulles, plus ou moins visibles. Et ça crée une porosité finalement proche de l'épiderme humain. Chose que. Enfin, cette notion d'épiderme ou de peau, elle est très très présente dans ma sculpture. C'est quelque chose à laquelle je porte beaucoup d'attention. Je pense d'abord à la matière du tirage pour élaborer le moule qu'il faut, quoi. Donc après. Après, je suis tout seul, j'ai pas 14 000 assistants. Il y a une grande obsession de solidité de ma sculpture, pas forcément par le matériau, mais que la forme elle-même soit stable. C'est pour ça que j'ai tendance à faire des choses très massives, enfin massives dans le sens où les personnages ont toujours des positions très regroupées, et jamais ou très rarement les bras écartés, dans une position instable. C'est plutôt des gens couchés, assis. Là encore, tous les prisonniers avec les mains attachées, c'est aussi une façon de se regrouper pour moi presque, de justifier le regroupement de la position. J'ai été vachement... Enfin, j'avais lu un truc de Michel-Ange où il disait qu'il fallait jeter les sculptures du haut d'une montagne et tous les éléments qui se casseraient seraient finalement inutiles.
Donc grosso modo, ça revient à une forme assez ovoïde ou une forme assez ramassée, quoi. Donc c'est. Ouais, il n'y a pas forcément cette volonté de reconstruire couche par couche l'anatomie. Mais il y a cette volonté de donner une forme stable et solide à quelque chose que finalement je perçois comme très très fragile, et je perçois d'autant plus la fragilité que j'ai peut-être fait un petit peu trop d'anatomie, ça m'a un peu vrillé aussi, quoi. C'est vrai que autant je suis pas sensible ou je suis pas effrayé par des images assez violentes, autant l'évocation d'une fracture ouverte d'un os blessé me dégoûte vraiment, quoi. C'est pas forcément le sang, mais c'est voilà, ouais, c'est peut-être cette structure interne fragile, quoi. Ouais, il y a sûrement une sorte de volonté de sauver quelque chose, en fait. Je crois qu'il n'y a pas trop de sculpture. Le plâtre, il s'est fendu, je pense qu'il sèche trop vite et ça le fait. Il y a cette idée du voyage aussi, quoi. Il y a cette idée du où la création, où l'image, elle représente une sorte de point de départ qu'on est obligé de trouver. Et on est plus ou moins obligé de se dire, bon ben j'aimerais aller là, je pars du point A et j'aimerais aller au point B, mais finalement t'arrives jamais au point B, t'arrives toujours au point B', C', Z ou ce que tu veux, mais ça a plus d'importance, quoi, parce que ce qui est important, c'est ce qui se passe pendant que tu travailles, et ça c'est intransmissible, en fait.
À la fin, tu montres un travail, tu montres une œuvre, tu montres une sculpture, un dessin. Mais est-ce qu'on peut enfin, moi, pendant que je le fais, je vis une expérience, quoi. Je vis un voyage, je vis des rencontres avec moi-même, avec des idées, où je réfléchis tout seul dans ma grotte, quoi. J'évolue, mais les gens, ils voient que. Ils le voient pas, ça. Ils voient un objet plus ou moins fini, quoi. Alors, qu'est-ce qui est important, quoi? Ouais.